fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, je suis en pliage de linge. Et après je vais faire le repassage, mais alors je vais faire vraiment le strict nécessaire parce qu'avec la chaleur on va dire que le repassage, hein. Bon après l'été c'est beaucoup de matière assez fluide qui se repasse pas, là je vois l'ensemble à Stacy, son ensemble rouge qu'elle adore, un peu flashy, c'est une matière, je sais pas, le tissu il est... C'est bizarre quoi en fait, ça on dirait un peu comme de lin tissé, enfin bref ça se repasse pas. Ça se chiffonne pas, donc c'est cool. Hop. Donc, ouais, je fais le strict minimum. Les pyjamas, on plie bien. Bon, après, moi, j'ai de la chance, c'est que mon sèche-linge ne chiffonne pas. Limite, alors, il faut pas que je le laisse à l'intérieur, mais je pense que c'est le cas de tous les sèche-linges. Faut pas que je laisse trop longtemps, parce que le linge prend un mauvais pli. Alors, faut pas que je le laisse trop longtemps, surtout s'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Parce que tant que la porte a pas été ouverte, il y a un truc anti-froissage, ça fait un... En fait, le tambour, tourne un peu de temps en temps, donc du coup ça évite que le linge se ratatine au fond du tambour et qui froisse, mais ouais, moi j'ai de la chance, il chiffonne pas beaucoup. Bon après c'est les nouvelles générations, j'ai l'impression que les nouvelles générations sont pas comme les anciens où ils chiffonnaient beaucoup, hein. Maintenant ça va quoi en fait, enfin... Bref, là ce matin ce que je vais faire, je suis en ménage de zone aujourd'hui et demain, faut que je prenne le courage de le faire. Alors j'étais conduire Angel à... Enfin, j'étais chercher Angel à 5h. Et quand je suis rentrée, donc j'avais lancé mon aspirateur robot pour qu'il aspire et tout partout dans la maison et tout. J'avais tout mis en hauteur. J'ai tout redescendu. Et je me suis dit, faut que tu dormes. Il faut que tu essaies de te rendormir parce que tu vas pas tenir. En fait, cette nuit, j'ai très très mal dormi. Moi, dès que ma fatigue commence à trop se faire sentir... C'est mon corps qui me dit, il faut que tu dormes. J'attrape des crampes tous les 5 minutes. En fait, j'ai mes nerfs qui se coincent. C'est même pas des crampes, c'est mes nerfs qui, voilà, qui me signalent que... et ça me le fait à chaque fois que je manque de sommeil, à chaque fois que je suis fatiguée, à chaque fois que j'ai fait des journées où j'étais... Enfin bref. Donc là, il me disait, il faut que tu dormes. Donc du coup, je me suis allongée dans le canapé. Je me suis dit, je vais tenter. Et j'ai su me rendormir. Tant bien que mal, mais j'ai su me rendormir. Un petit peu. Donc, je risque d'être un peu plus en forme ce soir. Parce que hier soir, Greg est rentré. Je vous ai dit, hein, je piquais du nez. Greg est rentré. Je lui ai dit, écoute, je monte. Je suis KO. Je sens que... Enfin, je sais pas, j'avais mon corps qui se lâchait complètement. Il faut que je monte parce que j'ai peur de... Si je m'endors là, après, c'est mort, quoi. Parce que si je m'endors là, si je m'endors dans le canapé, après, je monte... C'est sûr que je vais être réveillée et je vais avoir un mal de chien à m'endormir. Et en effet, quand il est monté, eh ben, je dormais déjà. Mais je me suis réveillée à minuit par une crampe. À 2h avec une crampe. Et à 3h30 avec une crampe. Et 3h30, je me suis dit, bon allez, vas-y, c'est mort. Ne te rendors pas. Vous voyez, c'est l'heure où vous dites, bon, il me reste 3 quarts d'heure à dormir. Tant que je me rendors après cette fichue crampe, que je me réveille, je vais devoir me réveiller en plein cycle, vous voyez, lourd de sommeil là. Ça sera encore pire, donc je suis descendue. Greg me dit, bah t'es déjà, tu aurais pu encore dormir, hein. Je dis, ouais, mais je suis réveillée et si je me rendors, ça sera encore pire qu'en fait. Donc voilà. Bref. Racontage de vie. Vous m'accompagnez dans mon pliage de linge. Hop, allez, je finis ça, et puis après, je vais aller le ranger, faire mon lit, me maquiller un petit peu, me donner une petite mine, et puis il faudrait que j'aille, j'ai la flemme, mais il va peut-être falloir que j'aille quand même faire, il me faut du pergamote, je vais aller voir à Action s'il y en a, autrement j'irai, parce que j'ai remarqué, je sais pas si vous ça fait ça, hein, mais les lingettes là,
qu'on met pour mélanger la couleur et le foncé, j'ai remarqué que le blanc avait un petit peu grisaillé. Et ça m'embête, j'aime pas ça. Donc je vais le faire tremper dans du pergamote pour retrouver sa blancheur. Donc ouais, je vais aller en chercher parce que j'en ai plus. Et là, comme j'ai fait une lessive de foncé, je sais que ce soir, ça va être du blanc. Et du coup, je voudrais le faire tremper là. Tout ce qui est... En fait, c'est les t-shirts blancs qui sont pris un petit peu. Si je l'ai vu cette semaine, quand Stacy a mis un t-shirt avec sa chemise, je dis, vous, il est un peu bizarre ton t-shirt, il fait un peu gris, là. Et ouais, en effet. Et je pense que c'est ça. Je devrais pas mélanger le blanc-blanc. Vous voyez, c'est peut-être bien pour les couleurs foncées claires, mais peut-être pas pour le blanc-blanc. Alors, c'est très rare qu'on le fait. On l'a fait peut-être deux fois, mais c'était deux fois de trop. Parce que souvent j'essaye de faire foncer clair justement pour éviter ça. Il y a des moments j'ai pas assez pour faire une bâtée, mais si j'attends, je vais être le lendemain je suis à la bourre quoi. Les lessives, franchement, c'est une horreur. Et du coup ça nous est arrivé deux fois. J'aurais pas dû. Bref, surtout avec, comme je vous l'ai dit, avec le blanc. Je sais pas si vous avez utilisé, vous dites-moi si ça le fait aussi sur du blanc blanc. Vous voyez, style t-shirt blanc, les chaussettes. Angel a des chaussettes comme ça, blanches. C'est la même chose. C'est des chaussettes qui montent pour le travail. Des grosses chaussettes. Il va même falloir que j'en rachète parce qu'il y en a certaines. On commence à voir les chaussures de sécurité. Qu'est-ce que ça abîme les chaussettes. Oh, c'est fou, hein. C'est comme si ça les usait au talon, en fait. Bon. Allez, je finis ça. Courage, courage, courage. C'est que le début de la journée. Faut que je regarde aussi ce que je vais faire à manger aussi. Ce midi. Ben, ça y est. J'ai été faire mon lit. J'ai rangé mon linge. Je me suis maquillée un tout petit peu. Alors en ce moment, je suis vraiment en maquillage très très sommaire. Il fait trop chaud en fait. Je mets juste un rouge à lèvres bien flashy qui donne bonne mine. Un peu de bronzer et c'est tout. Et encore un, là il paraît beaucoup plus flashy. Dans la réalité il est beaucoup moins. C'est la luminosité de l'écran. Là il fait un peu fluo. Là il est juste bien rose, on va dire. Mais il est pas fluo. Voilà, peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Faut que je regarde ce que je vais faire à manger ce midi. Et je viens de m'apercevoir que j'avais prévu des bruschettas avec du fromage frais de chèvre, poivron grillé et jambon cru, et que j'ai utilisé le fromage frais de chèvre hier pour faire les sandwichs. Soi-disant, ils étaient, en passant, ils étaient très bons. C'était fromage frais et chèvre frais, chorizo en tranches et des tomates semi-confites. Et ouais, c'est très très bien passé, c'était très bon le mélange. Donc du coup, moi, je pense qu'il me reste du... J'ai du Philadelphia, je vais faire avec du Philadelphia. J'ai pas envie d'aller refaire un magasin. Ça, oui, il faut que je fasse la salade de riz ce midi. Je vais voir. Donc, ce sera soit salade de riz ou soit les bruschetta. Et ce soir, c'est poulet d'orzo à la courgette avec du poisson. Il faut que je le sorte. Je vais sortir. C'est des filets de... J'ai dit poulet d'orzo. Salade d'orzo à la courgette. C'est des filets de dorade. Ouais. Donc oui, je vais les sortir du congélateur, comme ça ils vont se décongeler tranquillement. Et au pire, ce soir, si je vois qu'ils sont encore un peu congelés, je les mettrai sur ma plaque, la plaque que j'avais achetée sur AliExpress. Alors c'est très rare que je commande sur AliExpress, là c'était avec un partenariat. Ils m'offraient, enfin c'est même pas moi qui l'ai acheté puisqu'ils me les ont offert, ils m'offraient autant. Je pouvais choisir dans une liste de produits et j'avais pris cette plaque là. Sceptique, je voulais tester et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne super bien. Alors moi je pensais que c'était un truc, vous voyez, à base de sel ou quoi, une pierre à base de sel ou quoi, mais non, en fait, à ce que j'ai pu comprendre, c'est des ondes qui passent en fait entre la plaque, la matière de la plaque et le poisson, et enfin ce que vous posez dessus quoi en fait, et du coup ça se décongèle. Mais franchement c'est magique, ça fonctionne super bien. Et du coup là il faut que j'aille à Action. Je pense que je vais y aller tout de suite. J'espère qu'il y en aura parce que j'ai pas envie de faire un autre magasin. Comme ça je vais pouvoir faire tremper mon blanc pour le laver ce soir. Le temps est bizarre aujourd'hui. Il est gris. Il fait bon hein, il fait chaud, mais il fait gris.
Je sais pas si le soleil va percer ou pas, mais en fait, c'est même pas nuageux, c'est comme si qu'il y avait un voile qui était sur le entre le ciel et la terre. Je suis fatiguée. Bon allez, je sors mon poisson, je mets mes chaussures, je file à Action et ensuite je fais tremper mon linge. Et on croise les doigts pour qu'il y ait du pergamote à Action. Parce que j'en ai trouvé deux fois, mais souvent il n'y en a pas. Souvent c'est de l'acide citrique. Enfin, c'est même pas de l'acide citrique, c'est de. Ah, du bicarbonate. Non, je suis rentrée. Alors, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas, mais par contre, j'ai trouvé une poudre blanchissante style vanish, là. Mais la marque Pink, je pense. Vous voyez cette marque là qui fait fureur qu'on voit partout. Alors j'avais pas encore testé moi leurs produits parce que franchement je suis pas trop voilà, mes produits ménagers me conviennent très bien. Mais là c'est vraiment parce que je veux redonner un petit coup de blanc à mon linge. Donc voilà, je vais tester cette marque là. Vous voyez, il y avait plusieurs produits. Là c'est à l'oxyde. À quoi? Ah, j'ai regardé la compo. Il fallait l'utiliser. En fait, c'est juste pour faire tremper mon linge pour qu'il retrouve une cuillère à soupe dans 3 litres d'eau et laisser pendant une heure, puis laver normalement au rinçage abondamment. Et on peut en mettre aussi dans la machine. Ouais, c'est du blanchissant oxygéné qui est à l'intérieur. Je verrai. Voilà, je vais tester, je vous dirai. J'ai acheté aussi un savon au fiel de bœuf. Alors moi, j'en ai tout le temps à la maison. C'est pas cette marque-là, d'habitude, je l'achète en magasin bio. Mais là, j'en avais plus. Et en magasin bio, ils font aussi, c'est le gel au savon fiel de bœuf. Ça fait comme un gel et j'aime bien parce qu'il faut pas mouiller. Du coup, vous mettez directement sur la tâche. Mais voilà, je vais tester. Alors après, j'ai testé le détachant de chez... Alors vous voyez ce détachant là que je vous ai montré, que j'ai acheté, hop, de la marque Everdrop, ici. Stacy m'avait mis du chocolat sur son t-shirt en fait quand elle m'a aidé pour faire les gâteaux de ce week-end. Elle a mis du chocolat dessus mais elle a pas mis son t-shirt au sale tout de suite. Donc il est resté comme ça jusqu'à hier. Donc hier je l'ai détaché. En fait elle l'avait mis au sale mais elle ne me l'avait pas dit qu'elle avait fait une tache de chocolat. Et tout est parti avec le détachant. Donc ce que j'ai, en fait il faut mélanger 15 grammes dans de l'eau et vous venez frotter et ouais j'ai... Tout est parti. Alors je sais pas si avec ce produit je pourrais laisser tremper mon blanc. Moi je l'utilise plus en tant que détachant, soit directement sur la tâche ou soit directement en machine, vous voyez, pour donner un petit coup de boost quand c'est du linge un peu taché ou quoi. Oui, en fait ça fait un peu double usage de ça, mais ça en fait je le laisse dans la salle de bain. Je le mets dans la salle de bain et comme ça ils viennent le mouiller et ils viennent directement mettre sur la tâche et ils montent dans le bac linge sale. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, donc c'est les deux trucs que j'ai acheté à Action. Je vais rappeler Kim aussi parce qu'elle m'a appelé quand j'allais passer à la caisse. Donc je lui ai dit j'allais... Je me suis fait un, Petit latte. Je vais aller... Je sais, j'ai un coup de pompe là. Pouh. Je suis en train de faire cuire mon riz aussi pour ma salade de riz de ce midi. Et là, je vais aller sur le PC, je vais aller bosser. Mon linge est en train de tremper. C'est fou comment l'eau paraît noire. Enfin, noire, j'exagère, mais quand vous faites tremper le linge, on voit vraiment la grisaille sortir en fait du linge blanc. Hop, on verra s'il fonctionne bien, je vous dirai. Si j'ai récupéré des chaussettes. J'ai mis des chaussettes... En fait, les enfants aiment bien les chaussettes blanches, surtout en été. Mais alors, ils traînent tout le temps à pieds nus. Et les chaussettes, malgré que la maison est propre et qu'elle est lavée souvent, bah, c'est jamais propre en dessous, quoi. Ça devient vite... hein. Puis là, avec les chaussures de sécurité, on dirait, il va ranger ses chaussettes. Je vous ai dit, hein, ça allait craquer tout, là. Pouh. Bon, allez, je vais bosser. Répondre à vos coms, aux mails. Puis après, je finirai ma salade de riz. Et si j'ai le courage, j'irai faire un peu de ménage. Ça va être... En fait, tout à l'heure, quand je suis rentrée, je check, mais je vous ai dit, hein, j'ai répondu à mes mails et à vos commentaires. Donc, je réponds mes mails. Et puis, je vois qu'il y a écrit colis, donc le colis que j'attendais de Sweet Unbox, livré. Je dis, oh. C'est bizarre quoi. Bon, tant pis, zut. Je regarde dans ma boîte aux lettres parce que souvent quand je suis pas là, il les met dans la boîte aux lettres. Parce que moi, c'est une boîte aux lettres, vous voyez, stand. Enfin,
avec une clé là, avec un pass. Donc je regarde dans ma boîte aux lettres, je vois rien, et même pas de mots ou quoi, je dis zut. Et comme une fois j'ai eu le coup, alors c'est pas du tout Everdrop, hein, c'est le truc de livraison en fait, une fois j'ai eu le coup, il y est écrit livré alors qu'il me l'avait pas livré. Donc du coup je dis ben je vais téléphoner, je vais voir, j'espère qu'ils m'ont pas refait le coup une fois. Alors j'avais téléphoné à la marque Sweet Home Box et tout, enfin j'avais envoyé un mail et nickel, ils me l'avaient tout de suite réexpédié et tout, enfin voilà, ils avaient très très réactif en s'excusant et tout, mais c'était vraiment pas eux, c'était les livreurs, enfin bref, c'est comme tout, il y en a qui sont pas très honnête quoi en fait, hein, et qui je sais pas dépose le colis chez quelqu'un ou après ça se peut aussi qu'il a déposé chez un de mes voisins et que mon voisin a gardé le colis, hein. Parce que là en fait j'ai donc je téléphone, je lui demande, je lui dis ben écoutez mon colis est écrit livré, il y a aucune livraison, et en fait il avait livré chez un voisin mais il m'avait pas mis le petit papier, donc du coup moi j'aurais dû faire toute la rue où le voisin aura attendu que j'aille le chercher. J'aurais pas été le chercher puisque je savais pas quel voisin l'avait déposé et du coup j'aurais jamais récupéré mon colis. Bref, donc là elle me dit, il vous l'a déposé, en plus il me l'a déposé, moi j'habite en début de rue, il me l'avait déposé à la fin de la rue quoi en fait, à une dizaine de maisons au-dessus. Donc jamais j'aurais pensé à aller jusque là quoi en fait, j'aurais demandé à quelques-uns de mes voisins mais j'aurais jamais pensé à aller jusque là. Bref, donc j'ai reçu mon colis et je l'ai récupéré. Alors on va l'ouvrir. Alors je l'ai déjà un petit peu ouvert pour regarder, je suis tellement pressée à chaque fois de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai eu un, c'est un, alors je sais pas comment on dit, un truc à suspendre en fait qui sent bon, fleur de coton, c'est une de mes saveurs, enfin une de mes saveurs, comme si j'allais le manger, une de mes odeurs favorites. Donc c'est un petit, alors là je me serais dit j'aurais bien mis dans la voiture, mais comme c'est de la cire j'ai peur que ça fonde, donc je pense que ça va aller dans la salle de bain ou les toilettes. Alors ça on peut aussi le casser en morceaux et le faire fondre dans, ouh, ah ça sent bon, ça sent le propre. Alors il est tout simple hein, comme ça et moi j'aime bien. Ah oui ça sent trop trop bon. Fleur de coton. Ça sent le propre, je pense qu'il va être dans la salle de bain. Ça sent le savon là, vous voyez le... Hop, alors oui, ça vous pouvez le casser en morceaux et le faire fondre si vous voulez pas le... Vous voyez dans un diffuseur de parfum, un brûleur, si vous voulez pas le laisser comme ça pendre quelque part. Alors ça c'est Five Women et Sweet Home Box. Alors en fait ils ont travaillé tous les deux, cire de soja et parfum de grâce. Alors pour celles qui connaissent pas, la Sweet Home Box c'est tout ce qui est parfum d'intérieur pour voilà, parfumer votre maison. Donc vous recevez des petits vous voyez, des fondants, des trucs à suspendre, des bouquets parfumés, des bougies, en fait de tout, des petites billes, hein, enfin voilà, tout ce qui est parfum. J'ai même reçu une fois, c'était une poudre à mettre sur les tapis pour raviver, enfin pour éliminer les odeurs et tout. Ça sentait l'eucalyptus, ça sent trop bon. Et on reçoit aussi des petits objets toujours en lien avec le parfum d'intérieur. Donc ça peut être un brûleur, ça peut être, une fois j'ai un mouchoir pour éteindre les bougies, j'ai eu un coupe-mèche aussi, qu'est-ce que j'ai déjà eu, un truc pour allumer aussi électrique, électronique, ça faisait un truc avec une zip comme un briquet, je l'ai dans mon tiroir, un truc pour récupérer les mèches et pour gratter aussi tout autour pour avoir une bougie tout le temps propre, enfin voilà, j'ai déjà eu plein de petits trucs comme ça, enfin moi je l'adore cette box. Ils sont passés par une petite phase pas très facile en début d'année et là ils essayent de remonter la pente, donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, de vous offrir une box pour parfumer votre maison, alors il faut savoir que toutes les parfums qui sont à l'intérieur. Moi j'ai déjà eu des brumes aussi, des brumes d'oreiller. Enfin j'ai plein de trucs de Sweet Home Box dans la maison. J'adore leurs produits. Des huiles aussi pour mettre dans le diffuseur. C'est top. Ça sent trop bon. Je sais pas, qu'est-ce que j'en ai pu encore avoir aussi. Enfin bref, si c'est à chaque fois leurs produits, c'est tout le temps des petits artisans français. Donc ils font travailler des petits artisans français. C'est tout le temps des produits top qualité, de la cire de soja, des mèches de coton ou des mèches de bois qui sont pas nocifs pour l'environnement mais inoffensifs pour votre santé, des parfums qu'ils ont travaillé avec des parfumeurs, souvent c'est des parfums de grâce, donc d'une qualité, ça sent
les bougies, quand vous les allumez, elles parfument toute la maison. Les brumes parfumées, c'est la même chose. Donc après, c'est sûr que c'est des box cadeaux. Vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, des box cadeaux, je sais pas si... Enfin, vous surprise, vous recevez... vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous sélectionnez pas forcément les parfums qui vous plaisent ou pas. Donc il y a des moments, ça se peut que le parfum ne correspond pas à votre goût. Moi, c'est arrivé avec... Ben, j'ai eu une bougie en forme de rose. Le parfum, vous voyez, l'odeur rose, c'est pas forcément mon truc. Mais la bougie est tellement jolie. Je l'ai mis dans une cloche. J'ai pas le parfum, je l'allumerai pas. Mais franchement, elle est belle. Elle est ici. Hop. Et pareil, j'ai eu une fois, c'est ça. C'est une bougie aussi avec des petites fleurs. Dans un... Alors, en fait, elle est trop jolie. Et c'est pareil, c'est au parfum de rose. Donc, je pense pas que je l'allumerai. Alors elle sent déjà, juste comme ça, on la sent, hein. On rentre, on passe à côté, on la sent, mais je ne vais pas l'allumer, mais elle est très belle comme ça, quoi, en fait. Donc ça se peut, comme je vous dis, que vous recevez des parfums qui ne sont pas forcément à votre goût, mais le packaging est tellement joli, le truc, qu'il fait déco, quoi, en fait. Après, voilà, on ne choisit pas ce qu'il y a dedans, mais enfin, moi, je peux faire le tour de la maison, j'ai à chaque fois des trucs de Sweet'n Box. J'adore cette box, je l'attends à chaque fois avec impatience. Bon, tout ça pour vous dire que si vous voulez les encourager, les faire passer cette cape qui a pas été difficile, qui a été très difficile pour eux, et essayer de remonter la pente, essayez aussi de continuer à faire travailler tous ces petits artisans. Il y a des moments, c'est des petites boutiques aussi, des petites boutiques, vous voyez, style Etsy, des petites personnes qui travaillent de chez eux et avec qui ils travaillent et tout. Donc c'est chouette. Enfin, franchement, la box, j'aime son contenu et j'aime ce qu'elle veut valoriser et mettre en place, quoi, en fait, travailler avec des petits artisans qui a aidé à les faire connaître, des petits artisans français avec des produits purs, nets et tout. Puis si comme moi vous adorez parfumer votre maison, mais que vous voulez aussi faire un petit peu attention à votre santé et tout, c'est vraiment la box, alors à votre santé, à l'environnement, c'est vraiment la box qui vous convient. Alors du coup, dans cette box, il y a quoi? Alors ce mois-ci, on a reçu du coup ce petit truc là, qui sent trop trop bon. On a reçu un brûleur de parfum, alors comme ça, dans les tons gris. Alors c'est, quoique, j'allais dire c'est pas vraiment mes tons, donc je pense que je ferai plaisir à quelqu'un, mais ça pourrait peut-être aller. Je l'avais déjà reçu en vert. Alors ça fait très longtemps moi que je reçois la box, ça fait un an je pense. Alors c'est rare, hein, qu'on reçoit tout le temps les mêmes choses. Pour l'instant j'ai jamais reçu, c'est la première fois que je reçois, deux fois. Une fois aussi j'ai reçu un autre truc que j'avais donné à Kim, que j'avais déjà eu dans les objets comme ça, mais c'est voilà, en un an j'ai reçu que deux objets. À chaque fois la box, il y a 3-4 objets en fonction de la valeur des objets. Alors la box, vous la payez 29 et des brouettes. Comme je dis, j'ai un code promo si vous voulez essayer, qui vous offre 20% sur votre première box. Et alors vous la payez 29 et des brouettes, elle a une valeur qui peut doubler, voire tripler certains mois, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur, enfin de son contenu. Donc voilà, un petit brûleur de parfum en terre cuite. Et j'ai eu une bougie. Je ne l'ai pas ouverte, mais alors c'est dans un petit... une petite boîte de conserve comme ça. Mais rien qu'à travers la boîte, je sens l'odeur. Donc je me dis, si je l'ouvre, ça doit être... Alors par contre, il faut vraiment l'ouvrir, je pense. Faut vraiment claque. C'est au jasmin. Alors déjà, regardez-moi ce petit packaging. Elle est trop belle. Cire végétale. C'est la marque... C'est une cire de soja. C'est la marque Mahona. Mahona. France. .fr. Donc il y a un site web. www.mahona.fr. Mais ouais, l'odeur. Et le jasmin, moi j'adore. J'en ai un à l'extérieur. Ça sent trop bon, quoi, en fait. C'est l'odeur un peu de l'été, les soirs d'été, je trouve. Est-ce que je l'ouvre? Waouh! En fait, leurs bougies sont tellement parfumées que même non éteintes, enfin même non allumées, elles sentent. Elles sentent trop trop bon.
Bref, voilà le contenu de la box. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous voulez encourager des petites entreprises françaises, c'est la box qu'il vous faut. Si vous aimez les parfums, les produits d'intérieur, moi je vous l'ai déjà dit, hein, chaque fois quand je finis une section ménage, j'aime finir par allumer une bougie, mettre un petit peu de parfum. Voilà, j'adore ça. Bah, je vais pouvoir mettre ça en place du coup, enfin la ranger. Mais bon, oui, j'ai eu peur tout à l'heure, je me suis dit, ah non, pas deux fois, hein. Je l'attends tellement avec impatience à chaque fois cette box, que je me suis dit, oulala, le livreur, je vais lui tirer les oreilles. Alors après, comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas Sweet Home Box en fait, hein, c'est des prestataires en fait, après ils livrent leur, une fois que la box est donnée entre les mains de la poste ou là je sais plus, c'est colis privés qui livrent, voilà, c'est après c'est la société, eux, et encore là c'était GLS, parce que j'ai téléphoné à GLS, après c'est eux qui dépendent quoi en fait, eux ils ont fait leur charge de travail, ils ont livré la box après, voilà, mais c'est eux qui ont les conséquences quand hein. Bon, ma salade de riz est rentrée, salade de thon riz, il y a des œufs, des tomates, des cornichons, et moi j'aime bien c'est mettre un peu de mayonnaise dedans, on préfère, on trouve qu'elle est moins sec en fait, et on va pouvoir manger du coup. On mange? J'ai faim. Alors, on a fini de manger. Greg s'est reposé un tout petit peu. On regarde en ce moment la série HPI. C'est tourné à Lille. Alors, Greg me dit que c'est Lille-Lille parce que je sais qu'il y a un Lille aussi dans le sud. Puis tout à l'heure, j'entendais Lille-Lille. Mais ouais, je pense que c'est de la région du coup. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien. T'aimes bien aussi, toi? C'est une enquête policière, en fait, c'est une femme de ménage qui a un QI élevé et qui va aider la police et du coup qui va être embauchée par la police dans ses enquêtes. Mais ouais, c'est... voilà. En plus, c'est le genre de truc, vous pouvez regarder sans regarder, vous voyez, donc c'est pratique, comme là, comme moi qui fais autre chose en même temps. Bon, j'ai fini mon petit dessin, j'ai fait les petits trucs au niveau de la corde et tout. Ouais. Hop, c'est pratiquement sec là. Je vais préparer. Alors je suis en train, je vais aller faire un truc pour 4 heures. Donc je vais faire un 4 quarts breton. Et en même temps, comme je vais allumer le four pour le faire cuire. Alors aujourd'hui il fait pas très chaud. Enfin pas très chaud. Je veux dire, les températures ont baissé, elles sont agréables. Limite, vous pouvez même allumer un petit chauffage. Vous pouvez même allumer votre four sans crever de chaud. On doit avoir, tout à l'heure on avait 22. Dehors, donc vous voyez, c'est une température bien pour allumer le four, quoi, en fait. Voilà, il fait même limite un peu froid, enfin Greg est un peu froid, mais je pense que c'est par rapport aux températures qu'on a eues ces derniers jours. Mais ça permet de respirer après les températures qu'on a eues. Il pleut encore, hein, là. On a une journée pluvieuse aujourd'hui. Alors c'est pleuvoir, mais pas la grosse pluie, c'est toute petite averse. Bref, donc j'allais faire un 4 quarts breton. Profiter qu'il fait pas trop chaud pour allumer mon four. Sandra, tu parles de trop. Et du coup, comme je vais allumer mon four, j'en profite en même temps pour avancer sur mon repas de ce soir parce qu'il fallait que je fasse des légumes rôtis. Alors, le 4 quarts, je vais faire le 4 quarts breton de l'application Cucomix. Alors, au niveau des ingrédients, il faut 220 g de beurre, demi-sel, 220 g de sucre en poudre, 4 œufs et 220 g de farine et une cuillère à soupe de levure chimique. Voilà, c'est un gâteau tout simple, sans chocolat, sans rien du tout. C'est pour mes petits monstres qui viennent cet après-midi. Voilà, c'est mieux qu'il n'y a pas de chocolat. Et puis Stécie, elle aime bien les gâteaux nature. Donc je vais faire ça. Et pour la recette de ce midi, j'ai coupé une courgette en 4 et ensuite en lamelles, un poivron en gros dés, j'ai mis du sel de poivre, de l'huile d'olive et je vais faire rôtir ça juste à côté du 4 quarts. Autant allumer le four pour tout et comme ça sera froid pour ce soir. Je vais faire cuire aussi mon orzo, ça j'aurai juste à mélanger ensuite. Tout ce qui est cuisson, ça sera fait. Alors on y va pour le 4 quarts. Préchauffer le four à 180 degrés. 220 g de beurre dans le robot. Alors, c'est du beurre demi-sel. Moi, comme c'est pas du beurre demi-sel, je vais rajouter une partie. Il faut le faire chauffer le beurre, donc le faire fondre 2 minutes, 80 degrés, vitesse 1. À la casserole, vous mettez 220 g et vous faites fondre le beurre.
avec donc comme moi, si c'est pas du beurre salé, vous rajoutez une. Moi j'ai rajouté deux petites cuillères là. Vous voyez les petites cuillères en bois là que j'ai rajouté, donc ça on fait deux pinces. Le fouet et on ajoute 220 g de beurre, de 220 g de sucre et on remet le couvercle, 1 minute vitesse 4. Donc au fouet électrique, vous ajoutez votre beurre fondu avec votre sucre et vous mélangez un petit peu avec le fouet. Donc ensuite il faut rajouter les 4 œufs. Alors logiquement dans un 4 quarts c'est 4 ingrédients: farine, beurre, œuf, sucre. 4 quarts, donc un quart d'œuf, un quart de sucre, un quart de farine, un quart de beurre. Donc logiquement c'est toutes les mêmes quantités. Donc moi je vais peser mes œufs pour avoir 220 grammes comme le beurre, comme les sucres, comme la farine qu'on va rajouter. Ça fait à peu près ça. Logiquement, ça fait à peu près 4 œufs. Mais en fonction de la grosseur de vos œufs, vous allez peut-être devoir en ajouter un tout petit peu ou un de plus. Moi, c'est des gros. Donc, je pense que ça devrait être bon. Je vais être à 220 parce que là, je suis en émis 2 et je suis à 105. La moitié. Ouais. Nickel. Hop. On remet le petit couvercle. On laisse le fouet donc au batteur. Vous continuez à fouetter. Vous ajoutez vos œufs et vous fouettez. Alors le 4 quarts c'est super simple. Hein. Là je vous explique la recette. Mais si ça tombe vous savez déjà le faire. Hein. Ce qui m'étonnerait pas. Hein. Vitesse 1. Vitesse 4. Enfin 1 minute vitesse 4. C'est parti. Il ne reste plus qu'à ajouter la farine. Donc 220 g de farine. Alors logiquement dans le 4 quarts il n'y a pas de levure chimique. Mais pour être sûr qu'il lève, c'est bien d'en rajouter un tout petit peu. Mais bon c'est optionnel, ça dépend de. En fait si vous en mettez pas, vous allez avoir un cake qui va être beaucoup plus. Un 4 quarts qui va être beaucoup plus dense. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus aéré, c'est mieux d'en rajouter un tout petit peu. Dans la recette, ils mettent une cuillère à soupe. Moi je vais mettre la moitié, une cuillère et demie, une cuillère et la moitié d'une cuillère à café de levure. Hop, et là c'est reparti, on ajoute le couvercle, 1 minute vitesse 4. Je suis en train de racler les parois du bol. Une fois qu'on a notre pâte, on la verse dans un moule à cake beurré et ça s'en va au four, 180 degrés, chaleur tournante pendant à peu près 50 minutes. Ça dépend de votre four, surveillez la cuisson. Et moi je vais mettre juste à côté mes petits légumes du coup sur une plaque à pâtisserie. Donc pour les légumes j'ai tout mis sur une plaque. Ah ça c'est Kim chérie. J'ai tout mis sur une plaque et je fais cuire à peu près 20 minutes en mélangeant entre deux. Greg est parti du coup chercher Kim et les loulous. Moi je suis en train de faire cuire mon orzo. Ce soir j'aurais plus qu'à assembler comme ça. C'est toujours un peu la course quand Angel fait nuit parce qu'il faut qu'il mange tôt. Surtout quand on a de la visite l'après-midi. Parce que le temps que... voilà. Souvent je commence à faire à manger vers 6-18h. Là Kim sera encore là, je vais bien pouvoir profiter d'elle et des loulous comme ça. Donc voilà, j'ai mon gâteau qui est en train de cuire. J'ai fait un 4 quarts, c'était chérie. Ouais, t'aimes bien ça, hein. C'est un gâteau nature. Bon, allez, je vais attendre les loulous. Enfin, finir de faire cuire mon orzo, laisser refroidir. J'aurais voulu faire aussi un peu de ménage de zone, mais... Est-ce que je prends mon courage à deux mains? Hier, j'ai complètement zappé de faire ma commande sur Picnic. Du coup, je pense qu'on va devoir se taper les courses parce que demain après-midi, on n'est pas là avec Greg. Et d'habitude, quand je commande le vendredi, ils viennent sur le coup de 5h. Et là, j'ai peur qu'on ne soit pas rentré. Samedi, je sais pas, je vais voir avec Greg. En fait, hier soir, j'étais tellement fatiguée que j'ai oublié de valider ma commande. En fait, c'est un tort que j'ai. Je devrais la valider tout de suite quand je la fais. Et au besoin rajouter des trucs parce qu'avec Picnic on peut rajouter des trucs jusque minuit la veille. Donc je devrais faire ça quoi en fait et rajouter des trucs si besoin. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des moments j'enlève des trucs aussi et ça c'est pas possible. C'est pas possible d'enlever, c'est possible de rajouter mais pas d'enlever. Donc il y a des moments vous voyez je me rends compte que tiens on n'a pas mangé ça, ben au lieu de racheter pour un menu je vais laisser et puis j'enlève un menu. Mais du coup j'ai pas possibilité de retirer ce que j'ai besoin. Ou il y a
des moments, je me rends compte, bah tiens, il me reste deux courgettes, je devais en racheter, ben je vais pas en racheter, ça sert à rien puisque j'en ai encore. Enfin voilà, ce genre de truc. Mais bon, c'est pas grave, on ira faire les courses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les courses. En même temps, ça me manquait pas. Qui met là avec les loulous ? Je suis en train de passer l'aspirateur dans la cuisine, ils m'ont fait un carnage avec le gâteau. Franchement, la texture elle est top, il est très bon. Hop ! Mange ton gâteau, chérie. Il y a Léo, il aime pas du tout l'aspirateur robot. Hein, t'aimes pas du tout l'aspirateur robot ? Non, il s'en fout, mais alors Léo ? C'est rien, chérie ! C'est rien, c'est un aspirateur. Il va rentrer à la maison quand même. Ah non, mais moi elle m'a parlé trop vite. Tiens chérie, pas sur le tapis hein. Oui chef. Oui chef, à table. Par contre Noé lui s'en fout mais Léo il aime pas. Hein, t'aimes pas? T'aimes pas l'aspirateur? Mais que le robot hein, je pense que c'est parce qu'il va tout seul. Parce que l'aspirateur normal, il le passe, il donne un coup de main pour le passer et tout, c'est vraiment que le robot. Bah, même l'aspirateur l'avant, il le fait avec moi. Mais là, je sais pas, les robots. Ouais. J'aime pas. Kim et Lou sont partis, Greg est parti les raccompagner. Moi, je suis en train de remettre la maison en ordre. Quand ils viennent, c'est des vraies petites tornades. Même si là, on a bricolé avec eux dehors. Enfin, il me restait des plantes à planter. Donc du coup, ils les ont fait avec leur papy. On a trouvé un escargot et au début Léo s'était pas rendu compte en fait de ce que c'était et Noé voulait le mettre à sa bouche et quand Léo il s'est rendu compte de ce que c'était, qu'il y avait la tête qui sortait de l'escargot, d'un seul coup il a pris peur et puis il s'est éloigné. Noé lui n'avait rien à faire, il voulait toujours le mettre à sa bouche. Je sais pas, Noé il est dans l'âge où je mets tout à ma bouche. À un moment Greg lui donne, parce qu'il y avait du persil à replanter, il lui donne le truc du persil et il l'a mis dans sa bouche plein de terre. Ah, et après Léo il était omnibulé par l'escargot, il arrêtait pas, il regardait mais de loin et puis il voulait pas trop s'approcher. Après un moment je l'ai mis sur sa chaussure, il s'est rendu compte qu'il faisait rien, il a bien voulu après le mettre sur sa main. C'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, c'est complètement deux. Pourtant Léo est plus rentre dedans et plus dynamique que Noé, mais c'est un plus peu gros froussard que Noé quoi. Là l'escargot, Noé il s'en foutait complètement, on pouvait le mettre sur sa main, il en avait pas du tout peur. Léo lui c'était bizarre, ça bougeait. Bon allez, je vais finir ma maison, passer un bon coup d'espiro. Ça va, j'ai eu peur pour mon tapis parce que tapis blanc c'est pas une bonne idée, enfin c'est une bonne idée quand vous avez pas d'enfants, mais quand vous avez des enfants, mais ça va, il tient le coup le tapis. Hein? Bon après comme là j'ai pas, c'est pour ça que j'ai pas fait de gâteau avec du chocolat, parce que je savais que c'est risqué quand on a une maison toute blanche. Bon, je finis ça et puis après je rassemble ma salade. Le gâteau leur a bien plu, il y a plus de des trois quarts qui est parti, il reste juste un tout petit peu. Je voulais vous montrer un truc aussi. En fait, à chaque fois, je vous avais expliqué hein, que les loulous, à chaque fois qu'ils s'en vont, je leur donne un petit truc. Hein. Et à un moment, Léo, c'était des Smarties. Mais ce qu'il y a, c'est que Noé, Léo arrive à les manger. Noé, on a tout le temps peur qu'il, voilà, qu'il s'étouffe ou quoi. Alors logiquement, les Smarties avaient été étudiés pour éviter d'avoir... Mais bon, dans le doute, je ne préfère pas. Et la dernière fois, je vais à... Colruyt et je suis tombée sur des petites boîtes comme ça. Alors j'en achetais déjà à mes enfants quand ils étaient petits, c'est très courant en Belgique. En fait ça fait des petites boîtes comme ça, on a l'impression que c'est des Smarties mais c'est des raisins à l'intérieur, des raisins secs. Là c'est des raisins blonds, raisins secs golden. Et ben je leur ai donné et ils adorent ça, tous les deux, ils mangent ça comme des bonbons. Donc je me dis c'est mieux parce que voilà c'est pas du bonbon et puis ils croient que c'est un bonbon. Et tout à l'heure en allant à Action j'ai vu qu'ils en vendaient aussi. Donc si vous voulez tester pour vos loulous au cas où, au moins ça je leur donne chacun une boîte, ils repartent avec, ils sont contents. Je pense que c'est le format qui leur plaît parce que je leur donnerai des raisins comme ça pour qu'ils les mangeraient pas. Mais là le format petite boîte ça fait penser aux boîtes de Smarties et ouais,
ils adorent. Ils mangent tout. Et même Kim a été étonnée parce qu'elle n'aime pas les raisins. Et Quentin non plus. Alors du coup, elle dit qu'ils n'avaient jamais goûté parce qu'on n'en achète pas le fait qu'on n'aime pas. Et là, ouais. Donc... La prochaine fois que je vais à Action, je vais regarder pour en racheter. Alors moi, je suis très fan de fruits secs. Donc je pense qu'ils tiennent ça de leur grand-mère. Et Angel, c'est la même chose. Il adore ça aussi. Raisins secs, tout ce qui est... Les pruneaux aussi. Angel peut les manger comme ça. Enfin, moi aussi. Et depuis qu'il est tout petit. Allez, je vais assembler ma salade. Je vais faire ma petite vinaigrette. Donc du coup, ben, tout est cuit. J'aurai plus que le poisson à faire cuire. Je vais voir avec Greg. Je vais peut-être le faire un petit peu mariner. Puis on le fera cuire vite fait au barbecue. Ça cuit vite, ça. C'est des filets de dorade. Donc c'est tout petit. Par contre, mon orzo, j'aurais dû le mettre un petit peu... Oh, quoi que ça va. J'avais peur que ça faisait bloc. Mais ça va, il s'enlève tout seul. Donc du coup, j'ai mis mon orzo. Pouf! Dans mon saladier, je vais ajouter mes légumes, du coup, qu'ils ont refroidi aussi. Et ça va être plein de couleurs. Donc ensuite, j'ajoute une petite boîte de maïs. Ensuite, j'ajoute des petites boules de mozzarella. Alors, je les coupe en deux parce qu'elles sont... Enfin, c'est pas qu'elles sont grosses, hein, mais elles sont pas très petites, quoi. Je sais qu'il existe. Alors, c'est en Belgique. Je les ai jamais vues encore en France. C'est des perlines. Donc, c'est encore plus petit que nos boules de mozzarella. Les mini boules de mozzarella. Ça fait vraiment des petites perles, en fait. Hop, toujours avec mon ciseau de cuisine. Ça va tout seul pour les couper. Ça coupe net, ça écrase pas. Hop. Je vais ciseler un petit peu de basilic. Toujours avec le ciseau. Donc ensuite, j'ai rajouté du coup le basilic. Et on a fait la petite vinaigrette. Donc c'est jus de citron, zeste de citron. Alors, le zeste du citron, le jus du citron, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail pressée, une cuillère à café de miel, du sel, du poivre. On mélange et c'est tout. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. J'ajoute ma vinaigrette. J'avais pas mis mon sel et mon poivre. On va venir arroser. On va mélanger et on met au frigo. Pour bien que l'orzo et tout vient s'infuser en fait des arômes de la salade. Et on va du coup allumer le barbecue. On va faire les filets de dorade au barbecue. Je les ai mis juste un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et des épices à gyros. C'est comme c'est des petites connotations un peu grecques, je me suis dit que ça irait bien avec. Le repas est prêt, on est en train de suivre les évolutions du submersible, ouais. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'il les retrouve. Mais en même temps, je sais pas, enfin moi j'aurais jamais été dans un truc comme ça. Déjà, la tête sous l'eau, enfin je suis claustro, alors j'aurais pas pu. La tête sous l'eau et tout, j'aurais, voilà. Mais je sais pas, comme là, Greg disait qu'ils avaient signé un papier, une décharge et tout... Je sais pas si j'aurais eu confiance, quoi. Mais bon. J'espère que pour leur famille, qu'ils les retrouveront. C'est un essoff, mais... Bon, allez. Je vais aller répondre à vos com et bosser un petit peu le temps que Greg fait cuire la dorade. C'est pas mon trait. Donc aujourd'hui j'ai fait le petit bouquet là de lavande, j'ai revu un petit peu le nœud. Hop, je suis plutôt contente du résultat. Et puis je me suis amusée. Alors là j'ai fait la technique mouillée. J'ai pas fini, hein. Il fallait que je fasse les petits pépins, mais c'était pas encore bien sec quand les enfants sont arrivés, donc du coup je vais pouvoir les faire là. Là j'ai fait la technique mouillée sur mouillée, donc en fait vous faites la forme et vous venez mettre
la peinture, enfin l'aquarelle dessus qui vient se diffuser du coup dans le... C'est une autre technique et c'est joli aussi. Hop, comme je vous ai dit, je teste, je reteste. Et puis, il y a des moments c'est joli, il y a des moments ça l'est moins. Après, comme je vous avais dit, je cherche pas du tout. C'est vraiment le truc... Et là, la technique mouillée sur mouillée, vous voyez la peinture qui vient se diffuser dans la flaque d'eau, en fait. Et du coup, c'est très relaxant. Vous jouez avec la peinture, en fait, et... Bon, allez, je vais répondre. On va manger. Greg a fait cuire le poisson. Tu vas le sortir, chérie. Puis après, c'est la course, encore une fois. À chaque fois, quand Angel fait nuit comme ça... Puis là, comme je vous ai dit, on est déjà en mode un peu... le fait qu'il fait beau, qu'il fait clair, qu'il fait... Enfin, le soir, on est un peu en mode vacances, mais c'est pas les vacances. Puis Stacy, le fait qu'elle a plus cours... Alors, j'ai mélangé la salade. Voilà ce que ça donne. Une petite salade bien colorée, toute fraîche. Et puis, hop, la table n'est pas mise. Il va appeler les enfants. Et Greg va sortir le poisson. C'est des filets de dorade. Par contre, il y a des arêtes. Et moi, le poisson, j'aime pas avec les arêtes. C'est quoi? C'est la peau qui s'est enlevée? Ouais. Il m'a mis la peau au-dessus alors qu'elle s'était enlevée. T'aurais pu l'enlever, hein. Bah, je vais payer avec, non? Bah, toi, je sais que tu la manges. Moi, je mange pas la peau du poisson. Pourtant, ouais, hein, mais non. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vous ai mis la fiche recette pour la salade d'orzo et la fiche recette pour la salade aussi de ce midi, si vous voulez. Elle est en barre d'infos. Je vous fais des bisous et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I'm just not tired. I can hear the raindrops fall.